Donc ces touches-là, elles marchent pas. Donc, le problème ne vient pas d'un contact des bouts de graphite là sur ça là. C'est plutôt un problème de transmission du signal en fait. Tout ce qui est là, 1, 2, 3, 4, ce n'est pas transmis. Ce n'est pas transmis au microcontrôleur apparemment. Alors, moi, j'y connais que dalle. Donc, là, c'est la partie qui fonctionne, là, c'est la partie mal. Soit c'est lui qui est abîmé, donc le microcontrôleur, là, le circuit imprimé qui est dans cette goutte de résine, soit c'est que l'information n'arrive pas au microcontrôleur. Je connais rien à la carte. Donc là, désolé, il y a un solide contre-jour. Là, je suis en mode voltmètre courant continu, calibre 20 volts. Là, aux bornes, là, j'ai bien 3 volts. L'appareil est alimenté. Là, c'est la partie qui marche. Là, les 4, pardon. Là, ce sont les touches qui fonctionnent, là, les 4. 0,63. Tu vois, il y a de la tension. Mais là, de ce côté-là où ça marche pas, j'ai toujours zéro. Ce qui veut dire qu'ils sont pas alimentés. Or, l'alimentation, c'est le rouge et le vert là. Rouge ou le vert. L'alimentation blanche, elle arrive là. Et elle va au contrôleur, là, tu vois. Le rouge et le vert, c'est pareil. C'est pareil, ils vont tous au contrôleur, là. Tout ce qui est alimentation, ils vont au contrôleur. Ça se voit, là. Je sais pas si tu vois bien la caméra. Tu vois, ils arrivent là. Et ils partent au contrôleur. Comme ça. Ça vire à droite. Et donc ça me conforte dans l'idée, pour moi, là, ce que je viens de mesurer, le fait qu'il y ait 0,0,0, c'est que c'est bien le contrôleur. C'est bien le composant qui est là, auquel je ne peux pas accéder. De toute façon, même si j'y avais accès, je vois pas pourquoi, comment je pourrais le réparer, parce que c'est quasiment à l'échelle atomique, c'est fait par une machine, ça. Donc voilà, c'est pas réparable. Et voilà comment je le sais. Alors, petite remarque. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais peut-être qu'il y aurait un coup à jouer, c'est de récupérer dans l'optique, ce serait juste un problème d'alimentation et pas aussi un problème d'interprétation de la variation du signal.
Peut-être qu'on pourrait récupérer, tendre un fil, braser un fil, ouvrir une des pistes avec un petit cutter brasé, faire un court-circuit pour récupérer l'alimentation qui, en fait, la piste du microcontrôleur qui alimente les quatre pastilles là, pourrait peut-être la récupérer pour alimenter les quatre autres là. Mais ce serait pas sûr que ça fonctionnerait. Je pense pas que je vais le faire. Parce que je suis un peu fatigué là, et puis je vois pas trop d'intérêt, et puis le jouet est pas à moi, je sais pas si je dois le restituer à la propriétaire. Mais quand bien même si je l'alimente par une voie parallèle comme ça, c'est pas sûr que pour autant lui il sera capable d'interpréter cette variation du signal qui viendra de ce côté. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses e-mail à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations de gens qui se désinscrivent.